Et c'est parti avec un stage assez ouvert. Ouais, ça peut y aller au niveau des readouts. Voilà, premier AG à Kefemi. Ah, je suis un peu légère là sur cette. La chope est passée, ça c'est bien pour Panto. Ça donne avantage pour le joueur de Squid. Chope passe. La régie, si vous pouvez mettre le drapeau de Merci Man, s'il vous plaît. Allez, de la part de Panto là. Ouais, premier rang très bien joué. Ouais. Attention là, par contre, ça risque de sortir ça. Non, ça va pas sortir. Bien pour Panto. Pour l'instant, il a total. Et ben, il s'est réveillé vite, notre ami italien. Allez, une chope en A qui vient de repasser avec le petit lot pour gratter. Finish. Bien joué ça, le high. Ça va chercher les horizontaux mid. Oh, le coup de cœur qui a été confirmé par Panto. Ouais. Les dégâts de Siegfried. Voilà, ça gratte du côté de Merci Man qui tente le lot, c'est pas passé. Panto qui cherchait le ring out. La chope passe, il est pas puni. Il y a les deux barres du côté de Merci Man qui va devoir les sucer. Encore une chope en A qui passe. Bien joué, bien bloqué. Oh, dommage. Il a failli avoir la petite. Et il a cherché. Oh, il va trouver la CE. Je crois que ça tue. Ça va tuer. Et Panto qui prend ce premier match. Incroyable. Exactement. Ouais. Vraiment très très bien joué là de la part de Panto. Archi chaud. Il est rentré bien dans ce match là. Punto Creator, comme on l'appelle dans les pays d'Asie. Ouais, Punto Creator aussi. Battle one. Fight. Et c'est reparti avec le même stage. Ah, j'ai attendu. Le même. Oh là là, le low qui est passé. Attention, ça whiff. Oh, le wall qui a pas passé. C'est dommage. Bien joué ça, la part en A. Oh, la deuxième whiff finish. Ça, c'est un peu osé ça. Et Merci Man qui trouve le lot, ça tue pas. Oh, le lot. Attention, bien bloqué. Et puis il a pas tenté le lot. Très bien joué de sa part. Hein, tenté. De toute façon, il avait pas le vide à la vie. Donc... Ouais, et je pense que si ça passait, il aurait pu avoir le ring out. Par contre, là, il prend beaucoup d'ouïe finish là sur ce début de match. La chope. Il passe encore. La chope. Ouais. Ah, attention à la Soucha. Oh, bien joué. La conteste avec le 2-2A. Il va prendre un punish. Le lot qui est bloqué, pas puni. Dommage. Allez, le dernier mind game peut-être. Bonne punition là. Et le 3B. Faut pas qu'il craque, parce qu'il a pas puni solo. Oh là, c'était oh, dommage. Ah, c'est dommage, solo qu'il a pas puni. Allez, là c'est deux barres, voilà. Punish. C'est le reversal edge qui est passé dans la garde. Le 3B tout cœur. Il est passé dans la garde. Pas de pulsion et c'est pas baissé, c'est dommage. Il se baisse là-dessus. Ouais. Allez, le suplex de dos. Ouais. Oh. Ouais, ça marchera pas. Les high, ouais, ça va être. Ça c'est la mort. Ouais, ça va tuer. Ouais, je l'avais dit là. Hein. Il s'est réveillé. Et bah, là, il s'est bien réveillé. Et là, il est chaud. Avec le. On va voir un match décisif. Ouais, un match décisif qui laisse assez dubitatif en fait, parce que il y a eu un 3 round à 0 et juste avant il y a eu quand même une domination aussi de Panto. Franchement, on sait pas trop quoi. Ouais. On peut pas dire que ça va être serré. C'est ça, exactement. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre et ça reste sur le même stage. Ouais. Après, je pense qu'à Panto, il peut au mieux utiliser les ring out. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il reste là-dessus. La URU qui passe. Et le choix qui va passer pour Panto. Oh là là, il bloque tous les mix-up pour l'instant. Et le confirme. Le choix qui n'est pas passé. Faut qu'il fasse attention avec ses chops quand même parce que. Bien joué. Oh là là. Oh, superbe de la part de Panto. Panto qui se décale avec la roulette au dernier moment. Ouais. Attention, ça peut bien. Encore une chop qui passe. Toujours cette chop. Ça gratte au sol encore.
Vraiment, il a Ponto qui prend le lead, bien bloqué. GI, ça step pas, dommage. Ponto et qui va confirmer encore ce counter. On a sous-charge du côté de Mercy Mate. Et qui va trouver ce relevé B encore. Et on a la balle de match pour le joueur de ce ah, j'ai un câble qui fait bien jouer ça. Allez. Bien joué ça, le combo pour reprendre le vide à la vie. Pas puni. Oh dommage, la punition qui peut passer. On sent plus de la part de Mercy Mate sur ce round. Le avec le combo. Et ça va chercher. Oh le booster. Bien joué ça. Bonne punition avec le 3 qui va. Ouais. Il est resté au sol pour pas prendre le mix-up. Et le létaliste bien évidemment en début de round. Ça c'est pas bon pour Panto qui trouve quand même une ouverture. Oh là là, par contre faut pas se prendre ça. Ça gratte. Oh ça va faire mal. Ça va faire mal. Il va chercher le mix-up. Bien bloqué de la part de... Oh c'est dommage. Il aurait pu punir. Allez la sous-charge. Oh là là, le dernier man game. La champ basse qui passera pas. Et le 6-6 kick qui permet à Panto Krator de gagner ce match et d'avancer dans le tournoi. Archi chaud. Punto Krator. Exactement. Le petit coup d'épaule qui permet à